Bonjour à tous, c'est l'épisode numéro 239 de Road to 1 million. Toujours du côté de CityLas pour cet épisode. Vous le savez, on continue d'importer toutes les marchandises dont ont besoin nos investisseurs ici. L'objectif peut-être aujourd'hui, c'est ça y est, d'avoir comblé tous les besoins. Ça serait bien. Et d'avoir peut-être notre premier gratte-ciel ici à CityLas. Bel objectif pour cet épisode. Il nous manque quand même quelque chose, quelques ressources, notamment au niveau du bonheur ici. Gramophone, bijoux, et surtout au niveau des besoins de confort, on doit régler les peaux d'ours. La dernière fois, on avait fait tout ce qui... Alors, les peaux d'ours arrivent déjà ici à CityLas, mais le problème, c'est qu'on n'en produit pas assez, je le sais. J'avais lancé l'importation tout en sachant qu'on n'en produisait pas assez. Donc, il va falloir aller produire un peu plus de peaux d'ours, mais ça devrait aller assez vite. On a tout ce qu'il faut. Également, importer les ventilateurs et les bobines de film. Voilà un petit peu les objectifs de cet épisode, et on va tout de suite s'y mettre avec les fameuses peaux d'ours. On va de suite aller en Arctique, où normalement j'ai un bateau qui m'attend du côté, alors pas ici, mais du côté de King's William. Exact, il est là, je pense. Parfait. Avec des objets de corporation, on va faire une nouvelle corpo avec des peaux d'ours. Alors lui, je suis curieux, non, c'est bon. Effectivement, corporation, peau d'ours. Là, on l'avait placé en plus, la corpo, donc c'est parfait. On va mettre tout ce qu'il faut. Alors, c'est ça, et c'est les deux arcs. Et là, on va essayer de caler de la peau d'ours. Alors, est-ce que je peux me mettre un peu mieux ma corpo? Parce que là, quand même, ouais, le but, c'est d'avoir un maximum de neige, quoi, en fait. Hein. Là, elle serait pas mal, en vrai. Là, elle serait pas mal. Il faut aussi que ça... Putain, ça va pas très loin, les chaudières. Les chaudières, ça va pas très loin. Il faut à la fois alimenter ma charbonnière et à la fois alimenter mes futurs. Ouais, ça va pas très loin. Alors, je peux la décaler légèrement. On va essayer de se mettre au mieux. Ma chaudière. Alors, si je la mets là, par exemple, on est toujours bien. Et non, là, je touche plus. Ah mais non, mais le charbon n'a pas besoin de chaudière. Ah ouais, non, c'est impeccable. Les charbonnières n'ont pas besoin de chaudière, effectivement, vu que c'est ce qui fait tourner les chaudières, le charbon. Donc ce sera un peu le serpent qui se mord la queue. Donc là, on a... Ah ouais, mais non, mais là, je mords là-bas, en fait. C'est pour ça que je l'avais mis si haut. Ouais, je vais pas pouvoir en rajouter énormément, malheureusement. Hein. Même si j'ai mis tout ce qu'il fallait là dans cette... Alors, je vais me remettre là. On va essayer de se mettre bien. Hein. Alors là, voilà, 85, malheureusement, on empiète là-bas. Est-ce que je peux essayer? Là, c'est pas mal. Là, je suis à 96, mais bon, j'en mettrai pas beaucoup plus, quoi. Peut-être pouvoir en mettre une ici. Alors, à la limite, celle-là, est-ce que je peux la décaler? Elle n'est pas très utile, là. Est-ce que même je pourrais la mettre là? Non, je peux pas la mettre là. Là, on fait du 100%. Là, ça galère, là aussi. Là, ça va être pareil. On va essayer de la caler là. Bon, je vais la mettre. Je fais en sorte qu'elle produise 100%. Donc, c'est ici. Alors, pénurie de marchandises. Pourquoi pénurie? Ah, attendez. Il faut du bœuf ici pour faire tourner les... Ah, mince. Il faut du bœuf. Pardon, pardon. Il faut du bœuf à cause d'un objet. C'est lequel qui demande du bœuf? Ah, c'est celui-là. C'est vrai. Il y a celui-ci qui est quand même pas mal. Alors, on va peut-être pas le mettre, celui-là. On va peut-être pas le mettre. Parce que là, on va gagner quand même 35% de productivité. On va essayer de l'enlever pour pas avoir besoin de prendre du bœuf. Mais si ça suffit pas, on va le mettre. Attendez, je vais peut-être arriver à faire un quasi 100% là. Si j'enlève, je vais me le décaler. Lui, ouais, l'autre, elle est à 100%. Elle est bien là-bas. Ah ouais, là, je suis pas mal. 99 en haut, 100%. Et si j'en mets une ici, ça serait bien. Ouais, elle tourne pas à 100%, mais c'est mieux d'en avoir 3 quand même. Ah ouais, mais là, j'empiète sur la charbonnière, quoi. C'est toujours le même problème. Je pourrais éventuellement regarder pour amener du bœuf, parce que j'en amène déjà. Je vais essayer de faire ça, hein, de toute façon. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que je la cale ailleurs quand même, cette charbonnière, là?
Il faut pas que je prenne le risque de pas avoir de charbon, hein, c'est casse-tête. On se casse la tête en article, là, en ce début d'épisode. On n'arrive pas à faire mieux. Hein. On n'arrive pas à faire mieux. Là, en plus, lui, il réclame un entrepôt. Voilà, on lui donne comme ça. Il faudra bien disposer d'un entrepôt tôt ou tard. Ça va pas vite, hein. 1 minute 6, malgré la corpo. Il était quand même pas mal. Faut que je donne du buff. Faut que je donne du buff ici. Normalement, j'en ai du buff, hein, qui arrive à City Last. Je vais regarder tout de suite. Pas, pardon, qui arrive à Grey Beach. Du buff. Alors, je sais plus le buff. On va faire cross Capartic. Là, j'ai du buff. On va partager le buff. C'est pas très compliqué de partager du buff. Crown Fall. Je passe par ici, mon ami. 150, il vient de le recevoir. Hein. Il n'a pas énormément de. Je sais pas combien il en faut exactement du buff. Célèbre vos qualités de dirigeant. À Crown Fall, j'en ai plein du buff. Ouais, j'en ai plein. On va prendre. On va faire un bateau. On va pas prendre de risque. On va faire un bateau full. Et on va se mettre 25. On va partager. On va partager. Impeccable. Comme ceci. Et au moins là, j'ai du buff qui va arriver. Et là, je peux mettre mon objet et regarder un peu ce que ça donne. Je vais essayer d'en caler une. Ah, attendez, mes remarques. Ah ouais, mais non. Ouais, j'avais ça là qui était pas mal. On va laisser comme ça. Je me suis dit, ça aurait pu être bien de mettre aussi. Du coup, peut-être. Non, mais attends, on va peut-être le faire, cet objet-là. Parce que lui, il donne quand même pas mal. Plus 25%, mais il a 1 sur 3 en ours. Ça serait bien de le mettre aussi ici, là, l'ami. À la place de. Alors, densité forestière, ça, il nous le faut. 40%. À la place de celui-ci. Je pense que c'est plus rentable. À la place de l'arc. D'ailleurs, Toclo, il est meilleur que l'arc. Faut que je mette pêcherie de phoque, cabane de chasse de caribou et cabane de chasseur d'ours. Faut que je mette Tolco, en fait, là. Il me faut un Tolco en plus. C'est Toclo, à chaque fois je me trompe. C'est Toclo, il y en a qui doivent avoir la ref là. C'est Toclo. Toclo, il est meilleur. Toclo à la place de l'arc. Et également, il me faut un spécialiste des appâts en plus. Alors, retour à Starvester. Alors, à moins que j'ai en stock un Toclo. Mais je crois pas. Et non, je ne l'ai pas en stock. On va aller le faire à l'institut. Développement d'objets. Il nous faut un Toclo et un spécialiste des appâts. En plus. Au moins, on met définitivement derrière nous. Tiens, celui-là, je l'annule au moins. J'accélère. Ah, mais je l'ai pas mis le. Ah, si, c'est bon. Le Toclo. Au moins, on met définitivement derrière nous ce problème de peau d'ours, je pense, avec ce move-là. Donc là, on n'a que deux pénuries de marchandises. C'est normal, il n'y a pas encore de buff, mais ça va arriver. Tant pis, je vais quand même le mettre, mon troisième. Voilà, c'est pas mal. Hein. 77. Ça ralentit un peu là-bas, mais c'est pas grave, on va le mettre là. Ça tourne comme ça peut. On va attendre que le buff arrive, on ira voir un petit peu nos capacités de production une fois qu'on aura fini nos objets. Voilà, je vais m'arrêter là. Ça paraît pas mal. Là, ça attend le buff, bien sûr. Ça devrait le faire. Allez, on fera un petit. On reviendra ici voir un petit peu comment ça tourne une fois qu'on aura le buff. Et une fois qu'on aura mis nos deux objets qui sont meilleurs, là, on va virer l'arc. On va virer l'arc ici pour mettre Toclo. Une petite optimisation, hein. On va passer de 35 à 40%, mais c'est déjà ça. Et là, on va surtout virer l'arc pour mettre l'ami trappeur, le spécialiste des appâts, pardon.
Allez, retour dans l'ancien monde. Donc, normalement, c'est bon. On va attendre un petit peu. Alors, ce qu'il nous faut, effectivement, les ventilateurs. Alors, les ventilateurs, on avait fait un bilan pas glorieux, glorieux. Mais bon. Les ventilateurs. TP grande D. Ah, c'est marrant, on passe par Manola. Ah bah attendez, je vais faire une tournée de ventilateurs. On va aller à Starvester. On va mettre ça en route. Tournée de ventilateurs parce que vu qu'on passe à Manola, on va aller à Starvester et à City Last. Et on va donner des ventilateurs. Je vais faire quand même, je vais regarder à nouveau combien il en faut. Mais à mon avis, ça va chiffrer, hein. À Starvester, il en faut très peu. On va mettre 5. Et à City Last, on va mettre 10. Est-ce qu'on rajoute un bateau? Peut-être. Faut que je regarde. Je vais déjà partir comme ça. Et je vais voir si je rajoute un bateau sur cette route. Alors, les ventilateurs, parce que les ventilateurs, ça envoie pas mal. Hein. Il faut 3 tonnes à City Last, c'est pas énorme. À Starvester, il doit falloir 1 tonne, même pas. Ouais, City Last, c'est rien. À Manola, c'est tout autant rien. Ouais, un petit peu plus à Manola. Mais bon, ça va pas chercher bien loin. Par contre, c'est bien évidemment à Cronfall où ça envoie du bois 27 tonnes par minute. Là, j'ai rajouté 2 arrêts. C'est clair qu'il me faut un troisième bateau, je pense, sur cette route. On va le mettre tout de suite. On peut arrêter, du coup, ici, là, les ventilateurs, là. Tac. Il n'y aura bientôt plus rien dans ce bateau. Les ventilateurs, je les arrêtais là. Par contre, attendez, je suis curieux. Ils sont passés où, mes ventilateurs, là? ATP Grande Cronfall. Et là, on va remettre un petit frigorifique. TP grande D. Alors là, on va appeler ça ventilateur parce qu'il y a beaucoup trop de... Maintenant, c'est une belle tournée, là. Ventilateur. Et on va le sortir du groupe. Retirer du groupe. Voilà. C'est la tournée de ventilateur. Je pense que ça va le faire, comme ça. Bateau, il y a un bateau en plus, mais les trajets est un petit peu allongé étant donné qu'on passe par Starvester et City Last et qu'on donne 10 de moins à chaque fois, mais ça va être compensé par le troisième bateau. J'espère que ça va le faire comme ça. Ok, les ventilateurs, on est pas mal. Alors, j'ai quand même regardé les prods parce que j'avais l'impression que ma production en ventilateur, on allait être juste pour aller au million. City Last, Starvester, je regarde ça rapidement. J'aime bien me rassurer. Cronfall. Donc là, j'ai mes 3 îles. Ah oui, Manola aussi. Manola. Et TP Grande D. 37 tonnes. Là, ça devrait quand même le faire. Ça devrait quand même le faire. Je vois pas. Je pense pas que à Starvester, on consomme 6 tonnes de ventilateurs supplémentaires avec les gratte-ciels. Je peux me tromper. Hein. Ça va aller vite, mais je pense pas. À voir. On va peut-être être un peu juste. On va surveiller. Les ventilateurs, on est bon. Alors lui, il a fait le premier. Les deux là sont faits? Non, ça y est, on a le deuxième là qui est en train d'être fait. Parfait. Alors, il nous manque qui? Il nous manque du monde là encore. Côté City Last. Je voulais voir un petit peu mon stock aussi d'armes. Ouais, ça va, on est toujours à 2300, on est plutôt large. Réserve saturée, ça c'est bon signe, ok. Tout va bien, tout va bien. Alors, il nous manque... Donc, les ventilateurs, ça arrive, les bobines de film. Les bobines de film, si je dis pas de bêtises, on s'était mis en position de faire le million. Il me semble. On les a traités il n'y a pas si longtemps, effectivement. Manola, Cronfall. On va regarder tout de suite la production. Les bobines, c'est un peu le dernier bien... de confort. Après, on allait bien lié au bonheur qu'il va falloir un petit peu travailler. City Last, il faut quand même 2 tonnes. Ah, il doit en falloir un paquet à Cronfall. Hein. Il va falloir un paquet de bobines. 20 tonnes à Cronfall.
Et à Manola, on est à combien? Manola, Manola, où es-tu? Un peu plus bas. Un peu plus bas. 23. Et on les produit également à TP Grande. Oh, je voulais pas voir ça. On est passé dans le rouge. Ah, mais non, on n'a pas assez. On n'avait pas fait le taf. Mais il va falloir faire le taf pour les bobines. Il va falloir faire le taf pour les bobines. Il faut plus de production, hein, de bobines. Retour à TP Grande. Je suis un peu déçu. Mais bon. Eh ouais, j'ai que deux. J'ai que deux usines de bobines. Alors, c'est pas très compliqué les bobines. C'est du salpêtre et de la celluloïde. C'est la celluloïde qui est un peu plus chiante. Elle tourne à 400%. Si j'en rajoute une, ça devrait être pas mal déjà. Ça fait combien là de bobines? Ça fait 32. Le peuple célèbre vos qualités de dirigeant. On rappelle plus ce qu'on a dit. Grande folle. City Last. Ouais, c'est bon, là on est large. Là on est large avec une en plus, mais bien évidemment, il va falloir voir si le salpêtre et surtout la celluloïde, ça suit. Le salpêtre. Alors là, on n'en a pas assez, mais je pense qu'on a une exportation de salpêtre. Interne, nouveau monde. On a du salpêtre, effectivement, entre Gracho et TP Grande. Des petits échanges de salpêtre en bonne et due forme. D'ailleurs, on pourrait plus en prendre, a priori, du salpêtre. Gracho, TP Grande en salpêtre. Je vérifie tout. Hein. On laisse rien au hasard. J'ai pas envie d'y revenir. TP Grande. Gracho. On est pile poil. On est pile poil. Tant mieux. Rien à dire. Rien à faire de plus. Alors, est-ce qu'à Gracho, ils en consomment du salpêtre? Aucune consommation de salpêtre à Gracho. Donc, je vais pas m'embêter. Je vais mettre du salpêtre à fond, là. Hop, hop. Au moins, je suis sûr que ça, ça marche. Ce qui me fait peur, c'est cette celluloïde. Celluloïde. Oh non, on est hyper large. Hyper large en celluloïde. Ah, attendez, non. J'en exporte. J'en exporte de la celluloïde. À Kronfall, bien sûr. Et ouais, il y a deux bateaux. Non, non, on ne doit pas être si large que ça. Fausse joie. Il y a deux bateaux. Ça pue s'il y a deux bateaux. Ouah, on est pile poil. Je vais regarder un peu parce que ça fluctue. On a tout ce qu'il faut pour la celluloïde. Je vois que ça fluctue un peu. Éthanol, ouais, c'est bon. On a tout ce qu'il faut. La cire, le coton, ok. Pénurie de marchandises. Ouais, j'ai quand même beaucoup de... Pourquoi pénurie de marchandises? Ouais, faut que ça envoie, là. C'est le temps que mes chariots alimentent, quoi. Mes usines. Mais c'est bon, ok. A priori, on est bon. Ah, on a dû recevoir des ventilateurs, je pense, côté... Donc bon, c'était pas si compliqué, les bobines de film. J'ai eu peur pour rien. Alors, en revanche, est-ce que je pars sur du 3 bateaux? Va falloir faire la route. Les bobines, on va modifier la route parce qu'on va passer du côté... Ouais, on va mettre 3 bateaux, je pense aussi. On va mettre 3 bateaux. On va mettre 3 bateaux, ouais. On va passer du côté de Starvester. Et alors Starvester d'abord. Et City Last. Or Starvester, il en faut pas beaucoup. On va partir sur 5. Et là on va partir sur 10. Sur 3 bateaux. Et on va se mettre un autre petit navire frigorifique, et là on est pas mal, je pense. Alors là, je peux enlever ça à présent. Un truc que je voulais regarder, les ventilateurs. Ventilateurs, j'ai mis 10 ici. Ouais, ça va, il y en a 110 qui sont arrivés là. Va falloir regarder un petit peu les stocks. Ah, ça y est, on a nos objets. Alors il me faut que je prenne un bateau. J'espère que j'ai un frigorifique. Parfait. J'ai un frigorifique ici. On a nos deux objets là pour les ours. 818 000 populations. C'est cool. Bobine de film et ventilateur, ça rapporte du monde. Hein.
Là, c'est juste les ventilateurs qui sont arrivés. Ça va nous faire plus 5000. C'est lui, là? Non, c'est pas lui. C'est lui. Allez, prends tes deux objets. Celui-ci. Et il est où l'autre? Et lui. Et Tolko. Et Tolko. Non, Toklo. Toklo, je fais que me gourer. C'est un truc de fou, quoi. Toklo. Le retour de Toklo. Allez, go rejoindre le monde, mon ami. L'Arctique. Kings William Island. On va essayer de finir ça, là. Tranquillement. Alors, on va avoir ça. Alors, là, c'est plutôt bien. J'ai tout. Je vais avoir tout ce qu'il faut. Je vais avoir tout ce qu'il faut. Maintenant, j'aimerais bien faire un petit bilan rapide des ressources ici. De mes réserves. Voir un petit peu. Alors, mes réserves compliquées, hein, ça, on s'en fout. On va faire un bilan de ce qui est compliqué. Les conserves, on s'en fout. La fourrure, on en a besoin. Très bien. La fourrure, rien à signaler. Tout va bien, ça monte. Doucement mais sûrement. Les lunettes, ça monte. Et on voit que ça monte doucement. Ça veut dire que ça monte un peu plus doucement. C'est-à-dire que quand je vais commencer à mettre du gratte-ciel, ça risque de grincer un peu des dents. Les grands bis, ça grince déjà des dents. Les grands bis, comment je les fais venir déjà? Je sais plus. On peut regarder un peu les grands bis. Qu'est-ce qui se passe? Le café, il y a une légère tendance à la baisse. On manque de café. Légère, très léger. Les ampoules, bon, les ampoules, elles sont au max. Pas de soucis. Le courrier, ça va. Le champagne, ça monte. Les cigares, ça monte. Le chocolat, potentiellement un peu juste. Les tracteurs, ça monte. Les tapisseries, ça monte. Ah, on est pas mal. Ouais. Bon, bon, les ventilateurs, ça vient d'arriver. Les parfums, ça monte aussi. Parfait. Les peaux d'ours, ça monte aussi. Ok, bon, écoutez, on est plutôt pas mal. Surtout, j'ai dit un petit peu le café. Faut peut-être que j'en donne un peu plus du café. On va se mettre un petit 130 ici. Ah, mais les réserves de l'île sont saturées. Bon, je vais laisser comme ça. J'ai dit quoi? Café. Les grands bis, ça baissait bien par contre. J'en ai besoin d'un peu plus des grands bis, je pense. Je vais mettre 80 là. Yeah, ça se monnaie cher les grands bis. Hein. Le but une nouvelle fois, c'est qu'ils soient heureux, les amis. Les mondes, ça a l'air de galérer. Alors, on va mettre les objets là dans les mairies qui sont en train d'être craftés. Je pense que je ne l'ai pas encore. Je vais aller voir tout de suite. Ah, il est déjà arrivé en Arctique, l'ami, là. Ah bon, voilà en Arctique. Attends, j'ai peut-être des choses à mettre, là. C'est lequel, déjà, les objets qu'on vise? Ah, je l'ai pas. Je les ai pas encore. C'est lui? Les habitants. Les résidents dont le besoin en banque est satisfait reçoivent montres à gousset et bijoux. Ouais, c'est lui qu'on veut. C'est un plaisir de vous présenter notre nouveau collègue. On le veut en x4. Et on va le vouloir aussi. Et on va vouloir... Ah oui, il y a... Elle, parfait, on va la mettre. Sainte-Artoise. Impeccable, elle est déjà là. Ah oui, mais Sainte-Artoise, il me la fait en x4 aussi. Et après, il faudra laisser de la place pour le gendarme. Je l'appelle le gendarme, c'est lui, là. Ouais, après, il y a les Sainte-Artoise qui arrivent. Ok, parfait. Ah mais j'en ai que deux. Des services de livraison Blue Sky, là. Il m'en faut plus. Ah, mais j'en ai peut-être en stock. Ailleurs. J'en ai un là. Ouais, ça va le faire, je pense. Je dois en avoir en stock. Alors, on va déjà mettre les objets dans les mairies, là. Monsieur Garrick. Mais je l'ai mis qu'une fois. Ah non, c'est bon. Ce qui va grandement me diminuer la quantité de montres à gousset et de bijoux que je dois faire venir. Hein, parce qu'ils sont pratiquement... tout satisfait, je vais regarder là à présent.
pour les montres, c'est une tonne par minute. Ça a bien, voilà, on était à 3 tonnes. Ça a été divisé pratiquement par 3. Donc les montres en vrai, là 57. Ouais, je vais laisser comme ça. Bon, moi je sais que j'en ai pas plus quoi. Je vais laisser comme ça parce qu'on va avoir des gratte-ciels. C'est rien que je diminue. Les bijoux, j'aimerais bien faire le même move. Les bijoux. Je les ai là. Bijoux contre armes, il m'en faut pas beaucoup. Hein. Partir sur un 30 aussi. C'est du 1 pour 2. Ouais, voilà, ça ira ça. Ça ira. Pas une grosse consommation. Et par contre, les gramophones. Il va me falloir du gramophone aussi. Je pourrais aussi échanger. Alors, bijoux, gramophone. Alors, j'ai pas vérifié. J'avais peut-être. Un illustre personnage nous honore de sa présence. Je vais quand même regarder les bijoux, les gramophones. On a quasi tout là. Il nous manque que les gramophones en fait. Des besoins de confort. Les bobines sont pas encore arrivées. Que font les bobines? J'ai bien validé là. Parce que des fois, je me gourre. Ouais, City Last. Les arrivent les bobines ou quoi? Pas de bobines encore arrivées. Ça devrait pas tarder, je pense. L'appareil, je peux le sortir du groupe. Je peux appeler ça bobine. Alors, on va repartir en Arctique et après, on va finaliser les besoins de confort. Les besoins de. Pas de confort, de bonheur. L'Arctique. Ils sont arrivés, mes deux amis là. On ne peut pas entasser ça n'importe où indéfiniment. Du bœuf en ananas. Qu'est-ce qu'il me dit là? Ah, j'arrive peut-être pas. Ah ouais, je suis. Ça fait longtemps que je ne sens plus. Je suis à la limite là. Je pouvais pas aller récupérer le bœuf. Là il doit. Ouais, là il peut. Là c'est bon, il peut. Il va aller récupérer son bœuf. Donc là du coup, on va mettre. À la place de ce monsieur, on va mettre Toclo pour faire du 40%. C'est mieux. Et là, on va utiliser du buff à la place de l'arc. Un incendie s'est déclaré. Hop. C'est parti. C'est bon, le buff arrive. On va aller regarder à présent du coup combien on génère de peau d'ours en tout. Pour le monde entier. Là, il y a 11 tonnes générées. Et oui, c'est très bien, regardez, on était à 7 tonnes jusqu'à présent. On a pratiquement doublé. L'incendie a été maîtrisé. Donc bon move. Hein. Non, on était, allez, j'exagère, on était à 7 tonnes, on est passé à 11. On n'a quand même pas doublé, mais c'est très bien. C'est ce qu'on voulait. Kings William, Grey Beach, on arrivait à produire à en moyenne 20 tonnes. On a besoin d'alimenter. Cromfall, 14 tonnes. Et... Last. Que j'ai perdu. 15 sur 20. Donc là, c'est pas mal. On devrait s'en sortir pas mal avec ça. Plaisir de vous présenter notre nouveau collègue. Or, je me dis ce qui serait bien en vrai. Les peaux d'ours. J'ai fait deux routes, je crois. J'ai enrôlé. Ça m'embête d'avoir enrôlé. Je pourrais faire en sorte que cette route passe par... Ouais, on va faire ça. Passe par l'Ancien Monde et puis au moins je fais pas de relais. On va passer par City Last. Pardon, ici. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Grey Beach tout en haut. City Last, on va donner 10 tonnes. Il est plein, lui. Je sais pas s'il est plein. Faut peut-être que je mette deux bateaux. Ouais, je vais mettre deux bateaux. C'est quoi, ça? C'est City Last. On a autant de... Et bon, on est en train de vider le stock, je pense, à... Ouais, à Cronfall, c'est ça.
Et je vais mettre deux bateaux. Au moins, je suis un peu tranquille, quoi. Ça paraît pas mal. 10 tonnes. Il y a quand même une grande traversée à faire. Ouais, deux bateaux, ça doit le faire. J'hésite à mettre 15. Peut-être mettre 15. Je charge à King William, je charge à Grey Beach et je décharge après. De toute façon, même si je mets un peu trop, c'est pas grave. Vu qu'on va décharger le surplus à Crownfall. Donc il vaut mieux faire un peu trop. Et là, du coup, j'arrête ça là. J'arrête cette bêtise. Est-ce que lui, je peux le choper? Oui, j'ai l'impression que je pourrais le choper, mince. Automobile, non, c'est tracteur. Tracteur. Non, c'est pas tracteur, c'est automobile à vapeur. On dirait des tracteurs, mais c'est des automobiles à vapeur. Lui là. Jette tes peaux d'ours là. Hop, c'est bon. On a ce qu'il faut maintenant. 822 000 population. On augmente. On est pas mal là. Sur tout ce qu'on a fait, on est pas mal. Est-ce que les bobines sont arrivées? Je pense. C'est pour ça qu'on a 822 000 population. Les bobines sont arrivées. Les bobines sont arrivées. Exactement. 822 000 population. Il nous manque à gérer les gramophones. Alors, je voulais juste voir un truc. Je voulais voir si les bijoux... Parce que j'utilise le port d'attache, mais peut-être que des bijoux et des... Plutôt que d'échanger les armes, peut-être que des bijoux et des montres à gousset, j'en ai à ne plus que savoir en faire à Crownfall. Faut que je regarde ça. Ça fait longtemps que je ne me suis pas posé cette question. Alors, déjà... Alors, les bijoux... Alors, intéressant de voir que déjà des bijoux... J'en exporte déjà maintenant là, ok. Et des montres. Et des montres. J'en exporte un petit peu à Starvester. Ok, ok, intéressant ça aussi. On va voir, ça attend pas là, non, ça attend pas. J'ai quand même beaucoup de bateaux. Donc des montres. Si je fais mes productions en montre. City Last. Starvester, du coup, on a dit pour les montres. Il n'y a pratiquement rien, quoi. Et Crownfall. Waouh, ouais, non. Attends, on va profiter des montres de. On va profiter des montres de. Ouais, les montres, il n'y a aucune raison de ne pas. Les utiliser. On va faire pareil pour les bijoux. Il n'y a aucune raison d'utiliser le port d'attache. Les bijoux, c'est un peu plus serré. Ah oui, non, c'est même beaucoup plus serré. Non, non, les bijoux, là, on n'a même pas le choix. Attends, j'en ai assez des bijoux pour Crownfall tout seul? Ah ben non, mais comment je me débrouille alors? Je suis étonné. Les bijoux, j'ai plus de consommation à Crownfall. Nous sommes en présence d'un virtuose. Donc les bijoux, non. Mais par contre, les montres, oui. Alors attends, les bijoux, il est comment mon stock à Crownfall? C'est pas possible, on peut pas s'en sortir. On peut pas s'en sortir en bijoux. Je vois pas comment on pourrait avoir un stock de bijoux à Crownfall, mais je peux me tromper. Ouais, alors on est à zéro. Bonus d'influence. On est à zéro sur les bijoux. Qu'est-ce qui se passe? Les bijoutiers sont où? Ils sont là. Bon, attends, des perles, j'en ai plein. Et de l'or et du minerai d'or, j'en ai plein, plein, plein. Donc ça fait beaucoup de plein, ça. On n'avait jamais traité, mais on va le faire, hein. Je vais mettre ça là. C'est un plaisir de vous présenter notre nouveau collègue. Deux usines de bijoux supplémentaires, c'est déjà pas mal. Ça fait quoi ça? Ouais, voilà. Bon, ça y est, on a explosé le truc. Ce qui fait que je peux même les exporter du coup. Alors, faut que je regarde quand même les perles. Mais bon, les perles et le minerai d'or, ça vient d'où les perles et le minerai d'or? Perles. Alors ça vient pas d'ici les perles. Le peuple célèbre vos qualités de dirigeant. Le minerai d'or non plus. Alors on le sort d'où là nos perles et notre minerai d'or? Des perles? Mais j'ai pas de perles. À un moment il y a un problème. Hein. Si j'ai pas de route qui m'amène des perles. Je me suis trompé ou quoi? Perles? Attends. J'ai un objet bizarre qui me permet de me passer des perles. Ah oui, le bâtiment produit des marchandises sans apport de perles. Ok. Et comment ils font?
Ah ouais, ok, j'ai pas besoin de perles, même si ça me l'indique. En fait, j'ai besoin que du minerai d'or. Et le minerai d'or, il vient d'où? Ok, apparemment, les perles... C'est un détail. Le minerai d'or... Il vient de Kings William Island, de Grey Beach et de Lest Haven. Ah oui, je fais une grosse tournée, là. Et c'est tout. Intern cap. Et j'en ai un peu à Deferlon aussi, apparemment. Ah oui, j'en ai même beaucoup. Alors, est-ce que j'en ai assez? Du minerai d'or. Minerai d'or, Cronfall. Dans l'une de vos usines. On a dit donc tout ce qui est produit en fait. Un incendie s'est déclaré. Kings William, Grey Beach. Ah oui, ça fait pas beaucoup ça. Et Lest Haven, ça fait 7 tonnes, mais en fait, le gros du boulot, c'est Deferlon. Je sais plus comment on produit des. À Deferlon, comment on produit. Ah non, on va être juste en minerai d'or. Alors attendez, je suis un peu tendu. L'incendie a été maîtrisé. En minerai d'or. D'ailleurs, comment... Attendez, je suis juste curieux de savoir à Deferlon comment on fait du minerai d'or, quoi. Puis Deferlon, le minerai d'or... Ah, le minerai d'or, il sort de là. Les mines de silice, ok. Non, bah alors, vous savez ce qu'on va faire? On va conserver, du coup... Notre histoire, on va mettre qu'une usine ici parce que je pense que ça suffit pour les bijoux. Voilà, pour que Cronfall soit autosuffisant en bijoux. On va utiliser le port d'attache pour les bijoux, mais pas pour les montres. Ah oui, mais attendez, sachant que des bijoux, j'en ai quand même besoin aussi. J'ai dit... Ah oui, j'en ai besoin à Manola. J'ai pas fait rentrer Manola dans mon équation là de bijoux. Cronfall, pardon, Manola. Ah là là, je suis juste. Je suis un peu juste. Et le minerai d'or, je peux pas l'inventer quoi. Ah, j'ai peut-être une idée. Que je peux l'exporter un peu de minerai d'or là ici, un petit surplus de minerai d'or pour pouvoir faire mes deux usines et alimenter tout le monde. Alors là on prend plutôt ça d'ailleurs, les moteurs. Alors 137 ça paraît peu, on va se mettre un petit 80 là. 367, ça fait un petit surplus, ça paraît pas énorme, mais ça fait un petit surplus. Peut-être qu'elle a un 100 même. Peut-être qu'elle a un 100, histoire d'être tranquille ici, en minerai d'or. Et du coup, je peux mettre ma quatrième usine là, et être tranquille. En bijoux. En plus, là, ça me génère quoi, là? Je vois que ça me génère en plus du... Des montres, c'est ça? J'ai vu un truc qui apparaissait de temps en temps. Ah, ça me génère des montres en plus. Ah ouais, les montres, du coup, je suis hyper, hyper large. Encore plus. Minerai d'or, bijoux. Je pense qu'on est pas mal. Là, je suis à 47. Donc, si je rajoute... Si je rajoute Anola 40, et si je rajoute Citylas 41 quoi, et à mon avis on pourra faire le million, et du coup on va prendre un bateau. Alors faut que je regarde les gramophones aussi, parce que j'allais dire on va prendre un bateau pour ramener des bijoux et des montres côté Citylas. Par contre, il faut que je regarde, il y a un autre truc, c'est les gramophones. On va y arriver, on va y arriver à tout faire. Les fameux gramophones, on en est où? J'en ai besoin de une tonne. Alors les gramophones, pour moi, je les envoie à nulle part, mais je peux me tromper. J'en produis, ouf, je suis hyper large sur les gramophones aussi apparemment.
Crownfall 27, est-ce que j'en envoie ailleurs à travers le monde des gramophones? Ah oui, j'en envoie juste à Starvester, ok. Ah mais du coup, c'est un peu chiant. Gramophone, c'est un peu chiant. C'est pas grave. Vous voyez, chacun y trouve son compte. Par contre, les gramophones avec les gratte-ciels, ça devrait augmenter assez vite. Parce que les gramophones, j'ai rien pour leur... pour compenser les gramophones, entre guillemets, quoi. J'ai rien, j'ai pas d'objet en mairie. Donc ça va augmenter beaucoup plus vite que les bijoux et les montres. Il y a quasi plus rien dans ce... Il y a quasi plus rien, c'est marrant, dans ce navire frigorifique. Surtout que là, je vais virer les gramophones. Les gramophones, il en faut qu'une. Ouais. Je sais pas comment je... Je sais pas comment je mets mon futur bateau, là. Je vais faire un truc un peu bizarre. Route commerciale. Crownfall. Ah, attendez, c'est peut-être les tracteurs. Je vais peut-être utiliser les tracteurs. Pas les tracteurs, les automobiles à vapeur. Ah non, mais je passe pas par... Je pensais qu'avec les automobiles à vapeur, je passais par... par Starvester. Je vais voir entre Cap et l'Ancien Monde. Les tapis. Ah ouais, voilà, je peux peut-être utiliser les tapis. Les tapisseries. Je passe par Starvester. J'en ai pas besoin de beaucoup. C'est plein là mon stock. Ouais, ça a bien augmenté. Je pourrais peut-être mutualiser un peu, quoi. Mes bateaux. En mettant ici les gramophones. J'ai peur que les tapisseries m'en faillent beaucoup plus, mais bon. Ah, je vais le faire comme ça, c'est pas grave. 15. Ça paraît bien ça. On va avoir des gramophones à City Last. On va voir, autant je vais devoir la casser cette route, mais c'est pas grave. Là j'ai les cigares, mais les cigares il en faut beaucoup. J'ai ça. Et on va faire une route pour amener les bijoux. Je vais quand même les laisser via le port d'attache dans un premier temps. Parce que j'en avais pas beaucoup de stock. Je préfère les laisser via le port d'attache dans un premier temps. Les bijoux, c'est les montres que j'ai pas besoin là. Ils ont reçu des bijoux. Ils vont recevoir des gramophones très bientôt. En besoin de confort, tout va bien. Il me manque du coup les effectivement les montres. Donc route, alors je vais profiter d'une route dans un premier temps, alors peut-être pas les cigares. Profiter de ça là. C'est un plaisir de vous présenter notre nouveau collègue. Pour amener des montres, mais il m'en faut tellement peu, je vais en mettre que 100 dans un premier temps. Attends, je vais peut-être les mettre d'ailleurs ici. Au moins, je laisse une place supplémentaire au cas où pour les tracteurs. D'ailleurs, il y en a que 10 qui repartent. S'il y en a 10 qui repartent, c'est qu'ils sont bien consommés quand même les tracteurs. Ouais, quoique, je suis à 2100. Vas-y, on va la faire comme ça pour le moment. Allez, on va se mettre comme ça. Et ça y est, du coup, on a. Dans quelques minutes, on va avoir tout ce qu'il faut pour nos investisseurs. Les gramophones vont arriver. Donc on va être très bien. Il y a un truc qu'on n'a pas d'important, c'est les ascenseurs. Les ascenseurs, les amis. Les ascenseurs, faut dévier la route. Ascenseur. On a besoin d'une route qui m'alimente en ascenseur vers... Alors, ouais, je vais laisser ces 50 là. J'en ai combien là? Cap Trelawney. Ouais, est-ce que je vais avoir besoin d'ascenseur en...
J'en ai 1500. Donc on va faire une route. Créer une route, il va m'en falloir un paquet des ascenseurs. Route commerciale entre Molière et l'Ancien Monde. Vos qualités de dirigeant. City Last. On va prendre lui et on va prendre des ascenseurs. À Molière et on décharge à City Last. Et ça, c'est du cross Ancien Monde Cap. Okay. On n'est pas trop mal là. On n'est pas trop mal. J'accélère un peu le temps pour un peu ce qui se passe. Je vais également faire un petit peu la même chose que tout à l'heure, voir mes ressources. Un petit peu, c'est pas mal là. Je vais me refaire un petit check ici. Le peuple célèbre sur les ressources importantes. Ouais, ça je m'en fous. Alors les lunettes. Les lunettes, ça monte, ok. Les grands bis, ouais. J'ai mis un petit coup de boost aux grands bis là tout à l'heure via le port d'attache, ça se voit. Ça devrait remonter. Le café, ça remonte légèrement. Le café, je crois. Il va falloir un peu plus de café. Hein. Il faut un peu plus de café. Les ampoules, ça va. Un peu le même bilan. Je veux voir surtout les nouveaux trucs là. Le champagne, ça va. Les cigares, c'est très bien. Le chocolat, ça va. On est au max. Les tracteurs, ok. Les tapisseries, très bien. C'est les ventilateurs, surtout j'aimerais bien voir les premières stats. Ouais, c'est bon, ça monte bien. Le parfum, ça monte bien, mais écoutez, tout va bien. Et les bobines aussi. Nos routes ont l'air de bien fonctionner. C'est excitant, un illustre personnage nous honore de sa présence. C'est parfait. Pendant qu'on discutait, est-ce qu'on a reçu nos premiers? On n'a pas reçu nos premiers, que font les... Attends un peu là. Que font les premiers ascenseurs? Alors je sais pas où il était mon... je dis ça, je sais pas où il était l'ami là. Eh ouais, il est même pas là. Il est où? Il est à travers le monde? Ah non, il est juste en train de récupérer les ascenseurs ici à Molière. Eh bien écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode. Je pense que, en tout cas, en théorie, il est long hein. On a tout là, ça y est, les gramophones ont dû arriver en vrai. Et je ne tolère pas l'échec. Non, pas encore. Même les gramophones. Attendez, je vais vérifier quand même. Gramophone. Ah mais je peux les enlever. Ah mais tiens, j'ai bien fait. J'avais oublié ça. Gramophone, Crown Fall, Starvester, City Last. Ouais. Ah mais ça y est, ils sont arrivés. Ils viennent juste d'arriver à City Last. À peine le temps de le dire. Hop. Eh ben ça y est, on a nos investisseurs. Regardez. Ils sont full. Full, full, full. Attends, on va la virer, elle. Les besoins, bonheur, besoins enfin fondamentaux, bonheur et besoins de confort, mission accomplie. Il nous restera plus qu'à... Ou attendez, je dis ça, non ça va. 822 000 population. Je vois, ça avait l'air de descendre rapidement, mais non ça va. Il restera plus qu'à les faire évoluer. Bon, on va attendre tranquillement que les ascenseurs arrivent, et bien dans le prochain épisode, place au gratte-ciel à City Last. Merci à tous d'avoir suivi, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Salut à tous.